L'interview g 1 votre invité ce soir, Yael Goz, est porte-parole de la France Insoumise. Et sportive, on y reviendra. Bonsoir, Sarah Swalini. Bonsoir. Bonsoir. Nouvelle journée de mobilisation demain contre les réformes d'Emmanuel Macron, à l'appel notamment de la CGT et de Force Ouvrière. C'est vous qui écrivez les tracts de la France Insoumise, ceux qui sont distribués à la sortie des facs, à la sortie des lycées. 200 000 exemplaires pour le dernier, le précédent. Qui fustigeait la bande à Macron, c'était 600 000 exemplaires. Trois fois moins cette fois-ci. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à mobiliser Pas du tout. On vient de le, les commander euh, il y a même pas une semaine. On distribue euh, grâce à des militants, des jeunes militants euh, sur tout le, le territoire euh, France et euh, d'outre-mer. Aujourd'hui, je ne suis pas la seule, par contre, à l'écrire. Il y a vraiment, c'est un tract pour les jeunes, fait par les jeunes. Il y a une mobilisation de la jeunesse qui est euh, sur tous les fronts. Et aujourd'hui, voilà, je les remercie euh, d'être euh, d'être là à nos côtés. Donc, il y a une section jeune, comme on l'appelle, des insoumis. On les appelle des jeunes insoumis, insoumises, comment c'est des insoumis. Combien ils sont ah euh, je pourrais pas vous le voilà vous donner de chiffres je vais vous mentir sinon donc. mais il y a un enjeu quand même vous êtes euh, chasseur de tête je sais pas comment on dit pour aller <laughs> chercher des nouvelles recrues non, non non même pas on a non. vraiment j'ai vraiment pas besoin d'aller chercher les jeunes les jeunes viennent directement à nous parce qu'ils savent très bien ce qui ce qui les attend et et quel est aujourd'hui le monde que macron veut, veut leur proposer et ils sont les premiers à revendiquer ces actions sur le terrain et ils sont là voilà de, de, de 7h30 du matin devant les lycées et les facultés pour voilà essayer d'ouvrir les yeux aux étudiants, aux, voilà, aux jeunes travailleurs sur le monde Macron. Et vous n'êtes pas capable de dire combien vous avez comme ça de relais dans, dans toute on la a France des relais, On a des relais combien sur toutes les villes. On a des relais sur toutes les villes. Il y a des groupes d'appui sur toutes les villes, même en Outre-mer. Donc pour vous dire, on est sur tout le territoire aujourd'hui et même sur les réseaux sociaux. Alice, souvenez-vous de ce que disait Emmanuel Macron le 23 septembre dernier place de la République. Ce sera pour une action... Et danse, comme par exemple déferler à un million sur les Champs-Élysées. Évidemment, pas Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, <laughs> même si ça rime, 23 septembre, place de la République, il est où le déferlement promis même Jean-Luc Mélenchon a reconnu récemment dans une interview que c'était Emmanuel Macron qui avait marqué le, le premier point, je le cite. Ah, moi, je suis pas d'accord avec euh, Jean-Luc Jean Mélenchon, ah. pas du tout. Euh, J'ai fait toutes les mobilisations. Je suis aux côtés des jeunes et des moins jeunes. Je suis sur, on est sur le terrain et je pense que votre analyse, l'analyse qui a été faite euh, par les journalistes est tout à fait, tout, vraiment fausse parce qu'aujourd'hui, voilà, en étant sur, sur le terrain, on voit que la mobilisation, euh, voilà, progresse. Euh, on n'est à que à quelques mois, hein, on, Voilà, tout, euh, tout n'est pas parfait mais aujourd'hui les gens sont réveillés et j'espère de que blues. demain pas du tout euh, <laughs> on n'est vraiment pas condamné à l'échec et euh, enfin, c'est surtout moi pas moi qui vais vous le dire quoi donc euh, voilà toujours euh, voilà combattre jusqu'à la dernière seconde et euh, en tant que sportif je peux vous le dire et donc principal mot d'ordre demain contre la sélection à l'entrée de l'université contre le tirage au sort mais il n'y aura pas de tirage au sort, c'est l'objet même du projet de loi qui sera présenté au Conseil des ministres à la fin du mois Oui, il y aura une sélection, une sélection sociale, comme je l'appelle. Aujourd'hui, euh, d'abord. Euh, C'est-à-dire Alors, déjà, le projet, euh, le projet de loi. Euh balaye le budget. Le budget aujourd'hui de, de des facultés et de l'enseignement supérieur a besoin de minimum 2 à 3 milliards pour pouvoir fonctionner. Ensuite, le projet ne parle pas de la précarité des jeunes. Aujourd'hui, il y a un jeune sur deux qui malheureusement doit travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, je suis chargée d'enseignement. Je vois bien que mes élèves, quand ils viennent en TD, en travaux dirigés, la plupart travaillent et n'ont pas... Voilà, le temps de faire leur, leur, leur exercice correctement, et doivent subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, ce qui va se passer avec le projet euh, Macron, c'est que lorsque voilà, on va être sur euh, la plateforme, on va devoir faire des vœux, et ces vœux vont devoir en fait euh, prévenir de ce que euh, voilà où on va aller dans, si on va aller dans un BTS, si on veut aller dans un voilà au STAPS, on va devoir avoir aujourd'hui des prérequis, des attendus. Euh, on ne sait même pas ce que c'est, c'est attendu, oui, mais seront... la, fac, la fac ne pourra jamais dire non. Aucune inscription dans une formation ne pourrait être faite sans l'accord du jeune. C'est écrit dans le texte de loi. Oui, c'est le recteur. Alors si, par exemple, il n'y a pas de, de place dans une université, le recteur va pouvoir, euh, on ne sait pas quand ni où euh, mettre ce jeune-là dans une autre filière, mais on ne sait pas ni quelle filière ni quand il va pouvoir mettre ce jeune-là dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il y a un manque de moyens, et euh, c'est ce manque de moyens-là hein, qu'on conteste. Et la rallonge budgétaire de 20 millions d'euros pour les filières dites en, en tension à la fac, 446 euh, équivalents emploi temps plein, c'est. C'est pas, pas, pas suffisant du tout, comme je vous dis, il faut 3 milliards, 3 milliards ouais, euh, on... <laughs> qu'il faut mettre dans l'enseignement supérieur pour pouvoir euh, voilà, euh, travailler correctement. Reparlons des réformes lancées par Emmanuel Macron avec euh, des marcheurs aussi qui qui font l'actualité cette semaine. Dernière. Et des déserteurs, une centaine de départs, un, un non-sujet pour le secrétaire d'État Benjamin Griveau. J'entends tous les procès en non-démocratie qui sont faits à la République en marche, mais il y a une centaine de personnes qui se manifestent sur 386 000. On peut considérer que ça reste l'épaisseur du trait. Regarde une insoumise sur les marcheurs. Qui est plus démocratique que l'autre La Française soumise. <laughs> Pourquoi la France Insoumise, aujourd'hui, on va avoir une convention à Clermont-Ferrand. On essaye vraiment de donner la parole et d'être là pour les militants qui sont au quotidien sur le terrain pour combattre le monde de Macron. Et on essaye de, de mettre en place vraiment une démocratie qui vient par le bas, par, le, par les militants. Christophe Castaner, qui pourrait cumuler casquette de secrétaire d'État relation avec le Parlement et chef du parti majoritaire La République en marche. Vous le connaissez bien, vous avez été son porte-parole socialiste à l'époque au régional en PACA en 2015. Est-ce que c'est bien ce cumul J'ai été la porte-parole de l'aile gauche du Parti socialiste. On avait certes des divergences politiques, on en a encore. Conseil à Christophe Castaner aujourd'hui euh, je pense qu'il n'a pas de conseil à. Il sait très bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils ont un manque de voilà de personnes en qui ils pourraient. Enfin, Emmanuel Macron a pas beaucoup de, de personnes en qui il pourrait faire confiance et malheureusement, ben bah, ça fait que voilà certains doivent cumuler plusieurs casquettes. Il n'y a pas de rechange. Non, il n'y a pas de rechange euh, du tout. À cause de nous ce soir, ce soir Sarah Swally, vous avez raté votre entraînement. Hein, <laughs> oui d'ailleurs, euh, j'ai dit désolé à ma, ma team ah, Furaçao je... à Frévalon, je suis à la radio. Voilà la preuve. <laughs> point Commun entre politique et sport de combat Alors, on reçoit des coups, euh, comme euh, voilà, en sport de combat, on reçoit des coups, on encaisse les coups. Mais euh, ce, ce qui est bien, c'est que quand on encaisse des coups, le, voilà, derrière, euh, en tout cas moi, j'en donne deux fois plus. Euh, il faut savoir encaisser, mais il faut savoir aussi euh, en redonner deux fois plus. Donc, faites attention à vous, euh, monsieur Goss. Les Préparez <laughs> votre cata. <laughs> non, <les> merci. <laughs> merci, Sarah Solis. <laughs> et merci. C'était l'interview J-1 à retrouver, euh, comme d'habitude, sur France Info. point there.